Allô SF. Oh, oh mon Dieu, cette nouvelle intro. Mais Tessa, où est-ce que tu as kiffé aussi? Bande de scorpions corrompus, mais qu'est-ce que vous dites de ça, franchement? Non mais juste. Je sais pas s'ils ont vraiment compris ce qui vient de se passer là. Oh, non, très non, franchement. Mais moi-même j'ai pas trop compris, putain. Ah putain. C'est un truc de ouf, C'est pas fou ça un peu? Non mais honnêtement, que Chief soit avec nous jusque dans nos vidéos, jusque dans toutes nos intros, eh franchement ça fait du plaisir j'ai envie de dire. Non, ça fait chaud au cœur. Bienvenue mesdames, messieurs, bien entendu là on se touche un peu la nouille sur cette intro, cette nouvelle intro de la chaîne parce que on était un peu obligés, hein, quand comme le disait Savo, quand Chief lui-même est parmi nous, et on l'avait dit, hein, on avait donné des indices depuis, ceux qui ont assisté au live l'ont vu, on avait donné des indices depuis pas mal de temps, depuis même des mois presque, que Chief était parmi nous et c'était pas anodin. Donc voilà, déjà ça fait du plaisir, mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que voilà, aujourd'hui on va faire un petit récap, une petite vidéo de à la fois récap et de remerciement, puisque si vous n'étiez pas au courant, ce vendredi là de cette semaine a eu lieu le live de l'anniversaire de la chaîne pour terminer le mois de mars proprement, sagement là-dessus, et donc il y a eu des surprises, dont cette nouvelle intro de la chaîne. C'est ça. Disons que cette nouvelle intro, c'était un petit peu la croquette finale du live. Donc vous l'avez en tout début de vidéo. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. C'est pas cool. C'est cool pour ceux qui regardent, mais ceux qui vont avoir vu le live vont dire ah les bâtards. Nous on a attendu toute la soirée pour le voir. Mais bon, fallait bien vous faire kiffer. On est à l'OSF teasing. Vous savez tout ça. Donc on va les garder pour la fin. Mais donc voilà, effectivement, déjà première grosse croquette de cette vidéo là, la nouvelle intro de la chaîne. Alors nouvelle, oui, tout n'a pas changé, mais le petit truc en plus est largement suffisant, je pense. Mais voilà, c'est cette première croquette, c'était que l'une des nombreuses que l'on a diffusées pendant toute la soirée. On a également fait pas mal de croquettes. Là, c'est même plus des croquettes, c'est le paquet entier qu'on vous a donné par rapport à Love. C'est vrai que ça a pas mal avancé. On va pas trop vous détailler ce qui s'est vraiment tout passé par rapport à la soirée, mais c'est vrai que là-dessus, il y a eu vraiment pas mal de choses, pas mal de nouveautés. Donc voilà, là-dessus, c'est une bonne avancée, j'ai envie de dire, qu'on a réalisé dans Alove. Pour faire un cap déjà, effectivement Alove a bien avancé, il y a eu la rediffusion comme prévu de l'épisode 1, il y a eu d'autres choses qui ont été balancées sur Alove, mais on préfère vous laisser la surprise pour ceux qui ne sont pas au courant, pour une prochaine fois, que ce soit un prochain live ou quoi que ce soit, mais voilà, on a bien avancé sur le sujet Alove. On vous invite une fois encore, une fois n'est pas coutume, à revenir sur le Discord ou de nous contacter sur Discord si vous y êtes déjà, si vous êtes intéressé pour participer à notre projet Alove Machinima. Voilà, à la trilogie, que ce soit en termes de doublage, si vous voulez même faire un petit peu de post-prod, musique, bref, on a aussi donc fait les résultats du concours, parce que oui, si vous n'étiez pas au courant, encore une fois, oui, c'était sur le Discord, parce que le Discord, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir un lien beaucoup plus étroit avec la communauté, donc c'est là qu'il va se passer les choses les plus poussées, entre guillemets, en termes de contenu communautaire, et on a organisé sur le Discord, pour l'anniversaire de la chaîne, encore une fois, un concours spécial anniversaire, où ça consistait en quoi d'ailleurs, ça vous rappelle moi Ça consistait justement sur le principe d'un anniversaire, c'est pas nous qui sommes censés vous envoyer des cadeaux, mais vous qui étiez censés nous en envoyer. Et pour le coup, il y a eu pas mal de participation. Vous nous avez envoyé vos vidéos qui étaient quand même très 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 appréciées par nous. Franchement, ça faisait vraiment plaisir. Et pour le coup, il y a eu un vote de la part de la commu sur ces participants qui ont envoyé les vidéos pour faire un petit cadeau d'anniversaire à l'OSF. Et pour le coup, il y a eu justement un gagnant qui a justement été honoré d'un prix très spécial. Donc là, là-dessus, on est sur quelque chose qui est vraiment gros ici, puissance 10, là, franchement. C'est toujours l'esprit à l'OSF, c'est-à-dire qu'à l'OSF, on essaie de faire les choses proprement, bien, et avec toujours dans la bonne humeur, et c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, pour les vidéos, on vous explique juste après, elles vont dans un premier temps être diffusées sur la plateforme, et quand je dis la plateforme, je dis ça volontairement, ce sera pas sur YouTube, on vous explique ça juste après, ça fera une autre annonce liée au live, tout ça pour dire que pendant le live, en plus de rediffuser les résultats des cadeaux que nous envoyait la communauté en termes de vidéos, parce que c'était surtout des vidéos. Donc il y a eu du Miyashinima, il y a eu du montage, il y a eu des maps aussi forgées. Le gagnant en effet est donc Buck qui est un... Alors Buck, non pas le Buck de la campagne, même si on l'aime beaucoup, c'est pas vrai, mais c'est un autre Buck, un Buck qui est un peu différent dans le sens où lui, c'est... Il y en a un qui est plus sur les blagues, tu vois, le Buck de la campagne est plus sur les blagues. Notre Buck à nous, il est plus sur les pare-chocs, les pare-buffes, les pare-chocs, c'est plus son délire. Donc voilà, et d'ailleurs la vidéo remet un peu en avant ça. On vous en dit pas plus parce que encore
encore une fois, la vidéo sera disponible. Tout ça pour dire qu'on a lancé un truc pendant ce live qu'on avait en tête depuis longtemps. C'est du, entre guillemets, hein, du merchandising à l'OSF. Entre avec voilà, ouais, c'est un peu ça. Et en l'occurrence, c'est un mug. Un mug à l'effigie d'Alo SF. Donc vous en avez un prototype à l'image. Le final n'aura peut-être pas cette tronche exactement, mais bon, globalement, c'est l'idée. Hein, c'est un mug avec le logo dessus, quoi. En gros. Et parce qu'on s'est dit que voilà, il y a plein de gens qui sont à fond dans l'OSF, qui adorent ça, qui considèrent que c'est un peu leur seconde famille, ou en tout cas une espèce de famille virtuelle, enfin peu importe. Et on s'est dit, bah ça peut être cool d'avoir un petit objet chez soi, vraiment un truc matériel, à l'effigie d'Alo SF. Donc c'est le premier peut-être d'une liste, pardon, beaucoup plus longue. Et allez savoir, hein, et là-dessus justement, on vous attend dans les commentaires pour nous dire un petit peu ce que vous en pensez à première vue, vos attentes, si ça vous plairait ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas franchement à nous le dire. Là-dessus, ça serait vraiment apprécié. Ouais, que ce soit pour des mugs ou autre chose. Hein. Là, en l'occurrence, on a commencé par les mugs parce qu'on a beaucoup de buveurs de café sur notre communauté, entre autres. Mais puis tout le monde a besoin de boire tôt ou tard. Donc, mais si vous aimeriez avoir des trucs qui vont plus loin, pourquoi pas, faites-nous en part dans les commentaires et on verra bien ce qu'on fera. Ensuite, on a fait des annonces pendant ce live aussi, beaucoup d'autres annonces. Beaucoup, et il y en a une dont on va vous faire part aujourd'hui. Je vais te laisser d'ailleurs le faire, tout ça. Ouais, je vais la faire. Du coup, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de plateformes qui proposent justement du social sur Internet en général. Pas à vous faire languir plus longtemps. Mais en gros, c'est le petit oiseau bleu, le petit piou-piou bleu, le petit tout bleu qui vient chanter. Et ben, nous sommes à partir de maintenant sur Twitter. Donc voilà, vous pouvez nous suivre via le hat qui vient de s'afficher à l'écran. Donc c'est AlloSF, hein, tout simplement, rien de plus compliqué. Et donc voilà, on va essayer de justement alimenter un petit peu ce compte. Parce que là-dessus, on sait que voilà, il y a quand même pas mal de personnes qui suivent ce genre de médias. Et là-dessus, on essaye d'être au maximum sur le terrain. Et on sait qu'il y en a qui sont... Autant il y en a, ça va pas changer leur vie sur AlloSF. Autant il y en a d'autres qui sont très gros utilisateurs de Twitter. Sachant que, petit bonus quand même, d'ici là... dimanche prochain, donc dimanche que j'ai pas bêtise, 7, parce qu'en plus 7 vous-même vous savez, hein, vous savez très bien que c'est un chiffre qu'on chérit énormément sur l'OSF, et donc jusqu'au 7 avril donc forcément 2019 un petit concours a été lancé sur ce Twitter pour l'inaugurer, pour les premiers abonnés, les premières personnes qui seront dessus, le fameux RT follow, hein. Si vous faites ces deux choses là sur ce Twitter là, d'ici là dimanche prochain, il y aura un tirage au sort qui vous permettra peut-être, pour celui ou celle qui gagnera, de gagner un des casques qu'ils ont appelé, je crois que c'est le classique, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin classique helmet de des casques de Rich comme vous le voyez à votre écran. Donc pour ce que ça coûte, n'hésitez pas, si de toute façon en plus vous continuez sur le Twitter de base, bah au moins n'attendez pas et vous aurez peut-être la chance de gagner ce joli petit pack qui fait du plaisir. Exactement. Et puis qui est dans l'air du temps avec Rich qui arrive sur le PC, mais c'est un autre sujet. Voilà. Donc voilà un bon gros condensé d'une soirée qui a été d'autant plus remplie. Ouais. Donc voilà, comme on l'a dit, on va pas tout vous dire parce qu'on en aurait pour à peu près justement toute la soirée, hein, comme hier. Non. Et donc voilà, au final, vraiment bilan super positif, on est super content. Donc vous avez l'air d'avoir apprécié, nous aussi en tout cas. Et donc voilà, on peut que se dire rendez-vous pour le prochain, tout simplement, et une nouvelle année qui se prépare sur les chapeaux de roue. Bah, en tout cas, oui, elle commence très très bien la nouvelle année, enfin la nouvelle année pas fiscale, la nouvelle année d'anniversaire, on se comprend, mais oui, voilà, on est très content de ce live. Je pense qu'a priori, de tous les commentaires qu'on a eu, tout le monde était content. Il y avait plus de monde qu'à Noël en plus, les gens sont restés jusque très tard. Oui. Et quand je dis très tard, c'est pas une ou deux heures du mat, hein, c'est encore plus. Donc, tout ça pour dire que si vous êtes resté aussi longtemps, c'est que voilà, vous avez kiffé. Petite parenthèse quand même, oui, ceux qui se demandent pourquoi on ne rediffuse pas le live, justement, c'est qu'il y en a qui prennent la peine de rester très tard, mais il y en a certains qui ont pris des congés payés pour pouvoir être dispo. Et si on le rediffuse derrière en entier, dans sa totalité, ce serait pas très cool pour ceux qui se sont fait chier, entre guillemets, pour certains, à venir le soir même. Donc voilà, sachez que c'est pour ça, en principale raison, qu'on ne rediffuse pas en entièreté le live, mais c'est pour ça quand même qu'on vous fait une récap pour vous ayez les principales infos. Et voilà, encore une fois, merci justement à toutes celles et tous ceux qui sont venus en direct pour le live, pour votre bonne humeur, et on est encore une fois super content de voir que ça vous fait kiffer. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire. On vous remercie encore une fois, et sur ce, moi, j'ai plus qu'à vous dire à l'opposé. Et moi je dis ciao, bambino, et encore merci pour une nouvelle année.